personne ne veut oser quelque chose. Réfléchissez, ça pourra encore venir. Mais je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner pour mon amoureux, près de mon amoureux. Je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe. Là-bas, la vache enragée, dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai des pipes écumes, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume, en levant le front. Et je retrouverai plus ma foi, dans mon cœur ni sur ma lippe, le goût de ma vieille pipe en bois, sacrée dans une pipe. Auprès de mon amoureux, je vivais heureux. Thank you.
histoire que je vais vous raconter va vous prouver. Un homme était très bien vu par son prince. Il avait rendu de nombreux services à son pays. Mais dans un moment d'égarement, de colère, il tua quelqu'un. Bien entendu, il fut tout de suite jugé et condamné à mort. En égard à ses services rendus, le prince lui dit qu'il avait le choix de sa mort. Un huissier l'a trouvé dans sa prison, où il se lamentait sur son triste sort, comme on sait bien. Il lui dit : écoute, comme tu as rendu de nombreux services à ta patrie, on va te donner le choix. Tu as le choix de ta mort. Réfléchis bien. Une chose est très importante : il faut que tu meures. L'homme se lamentait devant un destin si cruel. Mourir ne lui disait rien, vous pensez bien. Au bout d'un certain temps, il répond à cet huissier et lui dit : écoutez, moi, depuis tout le temps que je me pose des questions, j'ai toujours pensé que la mort la plus douce était la mort de vieillesse. Donc j'ai beau réfléchir, je choisis cette mort. Bien entendu, l'huissier et les personnes présentes lui dirent : non, il n'en est pas question. L'important, c'est quand même que tu meurs. Mais il dit : j'ai beau réfléchir, non, la mort la plus douce pour moi est la mort de vieillesse. Le prince était un homme de parole. Il ne pouvait y manquer. Il décida donc de laisser l'homme mourir de vieillesse. Bien entendu, on le fit sortir de sa prison et on attendit que la mort rendît son arrêt. S'accorder, c'est l'essentiel. C'est essentiel pour les guitares, pour que vous compreniez les 20 fois roses. Donc il va falloir que vous vous accordiez. Alors vous êtes prêts à vous accorder avec moi, hein? Oui. Alors oui, vous allez descendre votre nuit. Tous les deux, on s'est décrié, éreinté, critiqué. Qui a gagné? Perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus. Mais après les votes, il faudra tout le temps improviser. Alors qu'on aimait comme il était très convaincant, on a voté pour lui. Était-ce moi? Était-ce vous? On s'est tous fait baiser sur la feuille bleue, comme chaque année, on va y laisser un bras. Quand je dis qu'on s'est tous fait baiser, moi j'ai failli faire de la politique, hein. Mais j'ai jamais fait de politique, parce que moi j'arrive à baiser qu'une seule personne à la fois. Et là, fais-moi une flanche, je me souviens plus très bien de quelle couleur étaient ses bleus. Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il rose? Prévoyait-il ses roses? Ou changeait-il tout en couleur pour un oui, pour un coup? Ces nymphes, je les veux perpétuer. Si clair leur incarnat léger, ils voltigent dans l'air, assoupis de sommeil touffu. Aimais-je un rêve? Mon doute, amas de nuits anciennes, s'achève en un rameau subtil qui, demeuré les bois mêmes, prouve que bien seul, hélas, je m'offrais pour triomphe la faute idéale de rose. Ah!
que j'aime ouvrir ma bouche à l'astre efficace des vins. Couple, allons voir l'ombre que tu devins. Yeah.
peut chanter. Oui, oui.